C'est cette plateforme qui s'inscrit dans la logique des choses pour nous, puisque nous-mêmes nous sommes en train de préparer que le forum d'innovation des technologies de construction du bâtiment des travaux publics à l'ère de la digitalisation. Et ici, c'est le digital. Alors, nous avons été invités et nous avons trouvé que c'était vraiment une opportunité pour nous de pouvoir venir faire cette rencontre qui va faire un plus dans ce que nous sommes en train de préparer par rapport au forum. Et je crois que c'est très bien. C'est très bien que ça nous inspire davantage, ça nous encourage davantage pour notre futur de bataille qui concerne cette technologie du bâtiment. Comme vous le savez, Edole Africa est né il y a déjà 3 ans, 3 années pleines d'exercices. Et pour cette 4e année, la société a décidé de se développer sur la Côte d'Ivoire, qui est un marché beaucoup plus important que le Togo et qui, nous l'avons constaté, est demandeur aussi de solutions que nous apportons. Et aujourd'hui, nous faisons le lancement officiel avec les professionnels du secteur et nous avons l'intention de leur proposer, comme c'est le cas au Togo, tous nos services pour faciliter l'accès aux ressources pour réaliser leur projet. La mise en place de l'application facilite vraiment la commande de tout autre type de ressources pour les projets BTP. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que ces professionnels vont avoir la possibilité d'accéder à temps, d'avoir à temps les ressources dont ils ont besoin. Parce qu'avant, ils sont obligés de courir, ils demandent, mais ils ont du retard de livraison, des choses comme ça. Nous, on s'engage, après une commande, dans 48 heures, de rendre la ressource disponible, quelle qu'elle soit. Disons que Dolly Africa, c'est cette solution numérique efficace qui offre aujourd'hui une banque virtuelle de données, de ressources matérielles, humaines et logistiques pour accompagner les entreprises de la construction et les particuliers qui sont en phase de construction de leur projet. Aujourd'hui, il faut dire que nous sommes partis sur une problématique où c'est très difficile d'avoir un accès à toutes ces ressources précitées. Alors aujourd'hui, Dolly Africa se propose de mettre en place un outil numérique à travers lequel tout acteur en besoin de ressources matérielles, de ressources humaines, puisse en un clic très simplement avoir accès dans une marge de 24 à 48 heures selon la ressource dont il a besoin. Aujourd'hui, c'est possible pour un particulier de créer un compte sur la plateforme, de mettre son besoin autant qu'une entreprise formellement installée. Voilà.